Bonjour, j'ai le grand plaisir de vous convier à la réédition du MOOC des cours en ligne sur la littérature hébraïque moderne et contemporaine, MOOC qui va démarrer le 11 avril prochain. Il durera 10 semaines en tout, c'est-à-dire qu'il s'étalera sur une période un peu plus longue, mais pour que le programme soit un peu moins dense, et comportera deux parties. La première partie est un panorama chronologique de cette littérature hébraïque moderne et contemporaine qui va de la Haskala jusqu'aujourd'hui, en passant par la période des amants de Sion, la renaissance de l'hébreu, la renaissance hébraïque, les héritiers de cette renaissance, la génération de l'État du Palmar, la diversité de la société israélienne dans les années 70 et les années 90. La seconde partie, qui présente une innovation, est intitulée en fait module d'approfondissement ou coup de cœur. Elle se compose de 8 modules. Vous devrez en accomplir au minimum 4 pour obtenir votre attestation de réussite. Et elle comporte les modules suivants. La littérature de la Shoah, Aaron Appelfeld, un module tout nouveau sur 6 séquences. La Troïka littéraire israélienne, également un nouveau module consacré exclusivement à Alef Bet Yehoshua, Amos Oz et David Grossman. Pardon. Un module intitulé La voix des femmes. Le suivant consacré au personnage de l'arabe dans la littérature hébraïque. Puis un module nouveau, la littérature Mizrahi en Israël, entre l'hébreu et l'arabe. La littérature pour la jeunesse. Et enfin, dernier mais non le moindre, la bande dessinée, nouveauté totale, mais pas tant que ça, vous le verrez. Donc, chacun de ces modules s'accompagnera, comme à l'accoutumée, d'une bibliographie, de séquences vidéo, de quiz, de forums de discussion animés par l'équipe de l'UNEJ. On vous proposera également un club de lecture où vous serez invités à partager vos coups de cœur à vous en lecture. Des activités pédagogiques type commentaires de texte que nous vous soumettrons, et bien sûr le rendez-vous en direct avec votre servante, une fois tous les 15 jours. Je vous donne donc rendez-vous pour cette réédition, revue et augmentée du MOOC sur la littérature hébraïque moderne et contemporaine, coup d'envoi le 11 avril prochain. À bientôt.